on est en Tchéquie, on fait une petite pause casse-croûte avec tous les autres chauffeurs. On fait les pleins, on fait un petit peu de restauration, on a fait un peu plus de 1000 km. Ça roule bien, on a pris un petit peu d'avance. Voilà, nous sommes en Tchéquie, en route vers la Pologne. Bon, on imagine que c'est des renforts, matériel de renfort pour l'Ukraine. Il y a des fortes chances. Deux mois après le début du conflit, il y a encore des fameuses colonnes de gens qui veulent quitter le pays. Une file interminable de camions qui attendent pour sortir d'Ukraine. On ne sait pas très bien ce qu'ils attendent, mais c'est une file qui fait des kilomètres. Oh putain! Voilà, quand on ne sait pas faire autrement que de rouler dedans. Pas aller trop vite. Des mecs courant en voiture, ça ferait pas mieux. Non, non, non. Ah. Merde, je suis passé au milieu. Ils arrêtent ? Ça y est, on est arrivé à Vinnytsia. Donc c'est la bataille pour le carburant. Il y a zéro goutte tout le long du trajet. Sur 450 km, on n'a pas vu une seule goutte de gasoil. Donc là, on a trouvé une station qui en a et je pense qu'on a pour un petit peu d'attente. Mais vous avez un petit peu le coucou de tout le monde. Ne dis rien parce que ça filme. Ouais, ça si tu pouvais pour une fois la mettre en veilleuse. Ça, c'est ce qu'on a amené.
pour la ville de Vinnytsia avec Ina et Vova qui, grâce à eux, récupèrent tout ça. Voilà, et c'est vraiment énorme. Surtout grâce et à vous. Il y en a encore. Il y en a encore ici. Et il y a encore des lits médicalisés. C'est énorme. Donc là, c'est un ensemble d'Ukrainiens, de Vinnytsia, des gens de la Drôme, de Haute-Savoie, de Savoie plutôt, de l'Ardèche. Et puis voilà. Grâce à vous, Christophe. Merci. Merci à vous. C'est grâce à vous tout ça que ça a pu faire aussi. Ça c'est bon, on l'avait mangé, je crois, la dernière fois. Ça avait été bacon. Chorizo peut-être. Ah Serge. Ah bien. Impeccable. Arnaud aussi. Arnaud. Nickel. Le mousse. Nickel. Cyril. Le Dim. Il a eu ah, l'ingénieur. Ah, il travaille. Alors regardez bien comment il coupe parce que il faut qu'il calcule des parts exactes. Ah, oui. Ça c'est un travail oui, d'ingénieur. En tant qu'ingénieur. Ah oui, oui, moi je crois que c'est pas le contrôle. Alors, inspecteur des travaux. Pardon. Attention. Hein. Hein. Attention. Et Luc là-bas, il dit rien dans son coin là, tranquillou. Et voilà, c'est reparti. Ah, on est tous en forme, on a bien dormi. J'espère juste qu'ils vont pas oublier de me prendre. Allez. Qu'on a fait depuis hier, toutes les stations sont vides. Ça construit partout. On est à 6 km de la frontière et déjà il y a la queue des camions. Alors, on est encore à plusieurs kilomètres de la frontière. Il y a des camions et encore des camions. T'es pareil que ça l'autre jour? Que vous êtes venu? Non, moins. Non, ce qu'il y avait, c'était beaucoup plus de véhicules particuliers. Des voitures super chargées, mais pas des camions. Eh bien, il est 18h30 et on quitte l'Ukraine. Nous voici de retour en Pologne. Bon, mais il y a bien du monde dans l'autre sens. Donc je pense que hier on a eu du pot parce que tu vois, la file ici où il y a quelques voitures qui passent, on n'aurait jamais pu la prendre celle-là. Tous les camions avec les voitures, là c'est des voitures qui retournent dans l'Ukraine pour remplacer toutes celles qui ont été niquées dans les bombardements. C'est impressionnant. On est de nouveau en Ukraine. Tout à l'heure, on était passé, il y a un peu plus de 4 heures. Tout s'est bien passé pour la partie ukrainienne. On est arrivé en Pologne. Ils n'ont rien voulu savoir parce qu'on avait du carburant dans des fûts. Et exactement comme le premier convoi, on avait pris des fûts au cas où, parce qu'en Ukraine, il y a pénurie. Et en cas de panne, on aurait été autonome. Et là, ils ont décidé que sur ce coup-là, ils ne voulaient rien savoir. Donc, ils nous ont renvoyés en Ukraine. Alors, obligé de refaire la queue, sortir de l'Ukraine, re-rentrer. Là, heureusement, on est tombé sur un douanier sympa qui va nous faciliter un petit peu la chose pour aller un peu plus vite. Et après, on retournera encore en Pologne.
On a appelé l'ambassade et même l'ambassade n'a rien voulu, n'a rien pu faire. Ils ont essayé, mais les douaniers polonais n'ont rien voulu savoir, même pas les avoir au téléphone. Ben voilà, on est sous la pluie. Là, c'était pas prévu, on pensait qu'il ferait beau tout le temps. Et donc bravo à l'organisateur. Oh, je suis très ravie, très contente. Comment ça va, Luc? Ça va. T'es doué.